chienne! Comme ça, les filles, vous êtes-tu à soir? Pas que j'ai honte? Double! Les filles, mon Gino, arrête pas de me mentir! Si c'était rien que ça! Non, non, attends que je t'explique! Là, ça fait un mois qu'il me dit que c'est bien pressé au bureau puis qu'il doit faire des heures supplémentaires. Puis il travaille au gouvernement. Ouh, c'est louche! Ouais, un soir, je me suis bien rendu compte que ces heures supplémentaires, ça avait l'air de l'aimer, je sais pas à peu près. Ça fait que quand je l'ai confronté avec ça, monsieur avait une belle explication. C'était des clients qui devaient sortir pour souper. Hey, bonsoir, l'éthique. Ça me dérangeait pas vraiment. Sauf que, il est pas tout seul à faire partie du comité de la croisière s'amuse. Savez-vous avec qui il amène le monde tragué? Non. Son ex! Oh, l'écœurant! Ouais, ben, c'est bien plate ton affaire, là. Mais ça accote pas le coup de cochon que je viens de me faire faire. Imaginez-vous, les filles, que Monsieur Gino traverse une crise personnelle. Pas bien dans sa vie, pas bien dans son corps. Monsieur veut effectuer un changement de cap. Ben, pour changer de cap, il est allé engueuler son boss. Résultat, il s'est fait mettre à la porte. Il a perdu son emploi? Non. Il a renoncé à son emploi. Nuance! Sauf qu'il a oublié de m'en parler. Ben là, c'est arrivé quand? Il y a 3 mois. Tu t'en rendais pas compte? Ben non. Je pars avant lui le matin, puis j'arrive après. De toute façon, là, je savais même pas ce qu'il faisait dans ce job-là. Mais là, comment est-ce qu'il a fait pour arriver pendant ce temps-là? Il a vidé toutes nos épargnes. Oh, l'écœurant! Ah ben, compte-toi chanceuse, au moins c'était votre argent, il n'y aura pas de poursuite. Parce que mon Gino à moi, mon gros innocent Gino à moi, savez-vous ce qu'il a fait? Il a vidé le compte des autres. Comment ça? Il a fraudé ses clients, les placements, les fonds de retraite, tout est parti en fumée. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Je sais tu, moi. Ben là, mettons que votre mariage, c'était pas la petite affaire. Ben, c'était pas si extravagant que ça. Comme ma mère. De toute façon, on se marie une fois dans une vie. Votre maison pour un couple de classe moyenne. Classe moyenne supérieure, on dirait un couple de professionnels. De toute façon, il y a des gens qui se font des maisons bien plus grosses que la nôtre. Ouais, mais ils vont peut-être pas en Provence tous les hivers. Ah, c'est quoi, là? Une acquisition? C'est pas moi qui l'a volé, l'argent. J'ai pas rien à voir là-dedans. Puis s'il y avait pas de quoi me faire vivre, ben il y avait rien qu'à me dire. Ça change pas le fait qu'il a ruiné ma vie! Oh, wow! Oh, oh les cœurs! 5, 4, 3, 2, 1.